obligé de faire du sale, t'as qu'à chaber l'instru, quelques phrases et je te casse et tu rappes pas la rue. Oh. Mais attends, j'ai vu de mort. Je suis prêt à pousser de la fond. Une petite branlette entre potes. Allez. En ce moment, la liberté, elle est pépère à Dubaï. Et ouais, ma gueule, je te le répète, il faut du bail. On arrive sur le haut du... Ouais. Ouais. Yo l'ami, j'espère que vous allez bien. Vous êtes BG. Le concept de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un 24 heures dans la voiture. Je vous avais demandé sur Instagram de me donner un maximum d'idées qu'on peut faire dans la voiture. On va essayer d'en réaliser un maximum. Bien sûr. On a acheté un max de batterie externe, 24 heures dans la voiture. C'est-à-dire que t'as pas le droit à sortir de ta voiture. Nous, on a mis une petite règle, c'est qu'on a pas le droit de sortir à plus de 2 mètres. On a prévu des petites activités à faire dans la voiture, mais aussi à l'extérieur de la voiture, mais autour. J'espère qu'il va pas faire trop froid ce soir. On a pris nos doudous, on a pris des grosses couvertures. Pour ça, je vous propose qu'on commence la vidéo dès maintenant. T'as pris quoi du coup? Alors on a deux bananes, on a des pains au chocolat. Des granolas. On dit bonheur. Je sais pas si je vous l'ai dit. On a commencé cette vidéo. Il était 8h du matin. On s'est levé. Il était 7h30. On a programmé un petit programme à faire pour la journée. Franchement, il y a beaucoup de choses. Ah, franchement, je sais pas comment on va faire. Ça. Critiquez pas. Mon écriture, elle est dégueulasse. On a programmé Macarena sur le toit de la chop. Allez, gros. Vas-y, mets la musique, mets la musique. Ouais. Oh là 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 là. Un souffle, ton propre rythme, y'a. Ouais. Nananana, Macarena. Je te laisse ouvrir. Allez, vas-y. Oh. Il y a 250 balles. Dans le coffre. C'est trop, trop. Vas-y, saute. Qu'est-ce que tu... Je sais pas, gros. Attends. Wesh, comment ça se passe? Ah, c'est gros. Ah ouais. J'aimerais trop faire une vidéo, tu sais, où tu remplis mais vraiment toute ta voiture de boules. Dinguerie. Ce serait trop ouf. On fait cette vidéo quand on atteint les 5000 likes sur cette vidéo. Regardez comme ça, fait trop bizarre. Attends, mais... Viens, on ouvre les fenêtres. Non. Regarde-moi ça. Mais c'est génial. C'est... On va pouvoir regarder les étoiles. Je te propose, on va faire le plein d'essence. Comme ça, après, on est tranquille pour la journée. Et après, on ira direction Lyon. On va aller manger. Vas-y, je suis chelou. Vas-y. Oh, mais on peut pas pisser. Oh, on doit rester à 2 mètres dans la voiture. Tu on fait une exception. Cette fois, on a le droit de sortir à plus de 2 mètres de la voiture. Ouah, gros. C'est Yann. Ouais. Comme disait souvent mon grand-père, des fois, une bonne pisse, c'est mieux qu'une bonne branlette. C'est pas encore midi. Appelez ma grand-mère. Allô, mamie, c'est Yann. Ah, bonjour, Yann. Ça va? Oui, bah moi, ça va tout doucement, tu sais. Comment vas-tu? 1 hour later. Tu vas rester 24 heures dans ta voiture? 2 hours later. Bah écoute mamie, je te souhaite un bon appétit. J'espère qu'on se verra vite. Ça m'a fait vraiment plaisir, tu peux pas savoir. Elle est trop mignonne ta grand-mère. Ça te dit, tu vas te cacher dans le coffre où il y a les boules. Ah pour lui faire peur? Ah ouais, t'envoies des boules, t'envoies des boules. T'envoies des boules, t'envoies des boules. Vas-y, vas-y. Vas-y, tu vas bien? Yes, et toi? Ça va super. Hop là. Oh putain. Toi, t'es venu comment? Eh ben en voiture. Ah ouais, mais tu voulais pas que je vienne te chercher? Ouais, mais sinon tu serais venu me chercher chez moi. C'est un peu loin. C'est à côté, ça a 10 minutes, mais c'est juste que c'est loin quoi. C'est vers où? Mais what the fuck? On nous balance des boules là. Mais what? Mais c'est quoi tout ça? T'as un animal derrière ou comment ça se passe? C'est pour la nuit. Mais tu dors dans ta voiture? Bah ouais, c'est un 24 heures dans la voiture. Ah ouais, t'es chaud. Ah! Mais attends, j'ai fait de mort! Oh, t'es pas mort, ça va? Et tu t'y attendais pas? Non. Tu te demandais vraiment pas comment ça se faisait qu'il y avait des boules. Mais je me suis demandé quand même, si on est à l'arrêt, il y a des boules qui volent. Mais tu pensais vraiment que c'était genre des boules qui sautaient comme ça? Je me suis dit, c'est peut-être avec le frein et tout, je sais pas moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais. Bon, du coup, on m'a commandé McDo. Il y a Ophélie qui allait chercher tout ça. Elle a vraiment cru qu'il y avait les boules qui volaient dans la voiture. On va vraiment manger là. Il y a le McDo juste là derrière. Il est vraiment garé sur le trottoir quoi. Le premier qui me trouve, rapporte. Ensuite, bonne chance et que le meilleur rapporte ce suite. Yann, je crois qu'il y a quelqu'un qui est là. Non. Attends, le caméraman il veut faire un check aussi. De toute façon, c'est pas dans le coffre. Putain. Gros, mes boules. Mais je suis trop con. Ah, la voiture, ils ont pas dû capter. Mais quoi, mes boules. Mais non, mes boules. Ah ouais. Bon, du coup, on a changé d'endroit, on est dans un parking. J'ai hâte de voir le résultat. C'est mon plaisir. Est-ce que vous êtes prêts à faire la brinque? Vas-y, mets à fond. Ça monte, ça monte. Oh non. Ah non, c'est de casser. Oh là 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 là. C'est incroyable. On va faire le refrain de mon prochain single tous ensemble. On va se motiver là. Vous êtes prêts ou quoi? 3, évidemment. Quoi? Et pourquoi tu arrêtes de chanter? Ah non, parce que je voulais vous entendre. On y va là, vous êtes prêts? Évidemment, différemment, elle voulait que je l'aime, mais je suis qu'un homme avec ses problèmes. Évidemment, différemment, elle voulait qu'on s'aime, mais comment changer ma vie de bohème? Oh, yeah!
Bravo, bravo. Le mec, il nous a regardé chez nous, genre, prenez pas pour contact avec ça. C'est lourd, c'est lourd. Du coup, ton son, c'est dispo, c'est quoi le nom? Doodson, évidemment. Si vous voulez aller voir, franchement, ce clip, il est propre. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment trop. Franchement, vous donnez la force, ça fait plaisir. Alors, c'est un réalisateur de Paris qui s'appelle Armel Nkunji. Il est très, très fort et il travaille avec plein d'artistes. Lui qui a fait le clip. Mais bientôt, il y aura votre clip aussi. Ça va être très lourd. Il faudra la faire au soleil avec des nanas. Ah, et là, ça va être lourd. Soleil de nanas. Ouais, salut à soi. Hey, ils nous ont régalé, mec. Mais what? Il vient du bureau de tabac. Il m'a ramené un 50 trucs comme ça. Il y a des canettes. On a des malabars. Je savais pas que ça existait encore. Les bubblegum comme ça. Peut-être que ça fait grave longtemps, j'en cherche. J'ai retrouvé jamais. J'ai ramené genre des bubblegum. Hey, il y a même un biberon, c'est pour moi. Oh, trop bien. Ça va, gros? Ouais, toi, mon gars. Ça va, super. Ça va? Tranquille, tranquille. Ça va bien. Tranquille. Ah, ça va, coupe. Dans une voiture, jamais essayé, la vérité. T'as fait des waves. Ouais, je suis en train de. Ouais, je vois ça. Je vois c'est ça. En cours de préparation. Ah, bienvenue. Hop. Ça va, j'ai pas trop serré. Ça va. Allez, on est parti. Je vais brosser le cheveu. Là, je me prends pour The Artist Paris. Là, on dirait que je crois que Michou. Ça va être bien. Allez, go. Voilà, là, on arrive sur le haut du dégradé. Après, je vais juste fondre cette ligne-là avec le sculpteur, mais ça va pas monter. La coupe. Hop, et il est bien là. Ah, ça rend bien. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est lourd. Dans la nuque, je sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est top, c'est top. Franchement, ça fait propre. Voilà, en fait, ce qui est bien avec les dégradés dans la nuque, c'est que c'est un compromis pour laisser pousser ses cheveux, mais enlever l'effet négligé, c'est-à-dire c'est propre, c'est long. Bon, du coup, gros, là, ça fait déjà 12h dans la voiture. Ouais. On a commencé à 8h, là, il est 20h. Putain, c'est vous foutiez le coup? Ouais, ouais. Bah, écoute, moi, j'ai un peu mal au fesses. Par contre, là, je pense pas si mes de sport à 8h. Oh, j'avais zappé ça! Let's go! Watch this up all day! T'as dit quoi? Et toi? Tranquille, hein, petit 24 dans la voiture. Du coup, tu rappes toi? Ouais, moi je rappe, hein. Ça fait combien de temps? Avec mes grands cousins, j'ai rappé à l'âge de 6 ans. Et sur YouTube, précisément, j'ai fait des clips à l'âge de 16 ans. Tu t'es fait repérer par un label? Non, même pas encore, non. Ça va venir. J'ai mon équipe de Constellation. Constellation Musique, c'est mon label. D'accord, ça sent bien un truc, ça sort pas. Ouais, Constellation Musique, il y a Sasso, Dan, Jaïel, Kirachi. Tu rappes aussi? Mais t'as vu, j'en suis ça dans ma chambre. Comme ça? Ouais, regarde, ça prend. Ouais, des petits textes là. Ouais. Vas-y, bon, on voit en direct de la caméra quoi. Direct de la caméra. Bah ouais, faut envoyer là. Hey. Ok. Et tu sais que j'ai du flow de 3 balles et tu flottes. J'oublie pas de te la mettre, j'oublie pas la capote. Obligé de faire du sale, t'as qu'à chaber l'instru. Quelques phrases et je te casse et tu rappes pas la rue. Dans la gova, j'ai 2-3 touches, car pose pas de questions. Si rien, c'est la hure. J'ai pas envie de finir au mitard, mais ça va manquer de revendre la pure. Attends, juste qu'on doit parler ça. Parle mal et je t'envoie direct en cure. On a pas tous grandi heureux, on a pas tous goûté la ceinture. Hey, yo. Y'a des EPS, ma gueule, écoute ça, en direct, hein. Yann, tu fan? Ok. 2021, faites-moi de la place, que je nique les tympans d'un public, je pine la mer à ces vieux rappeurs, action, et je la publie, comment te dire que je carburais, mais ça, je pense que tu l'oublies, maintenant je vais revenir en force, alhamdoulilah, je me suis rétabli, au quartier je vis comme la belle, j'rêve de draguer la belle, madame Moha Abdel, on fait ça pour les papels, c'est le retour du bandit, arrête de croire je suis ton petit, je me sens comme mon conji, je fais triquer ta gadji, c'est bel et bien le retour, dans des EBS ma gueule, quand t'écoutes mes freestyles, un dieu tu frappes ta gueule, on est plusieurs dans ma tête, quand je parle je crois bien je suis pas le seul, le rap en manque de calcium, j'envoie de la frappe et tals, en ce moment la liberté, elle est pépère à Dubaï. Et ouais ma gueule, je te le répète, il faut du bail. Ces temps-ci y'a plus de soleil, ma couille c'est normal qu'on se les caille. Je continue la piraterie, j'emmerde toujours la vitaille. Aïe. C'est fini. Tu brûles. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait zizir. C'est comment ton blaze sur les réseaux? RD du 69 @ RD du 69. Ça fait zizir. Aïe aïe aïe. Allez voir ce qu'il fait. Merci frérot, merci. Salut les gros. Yo, ça va, on vous a amené des petits bonbons. C'est là la livraison bonbons. Ah ouais, pardon. On avait un peu froid, du coup on s'est dit que... Créative, ça serait ouais, beau. Par contre on avait un peu faim, donc on a entamé. On a commencé à prendre des bonbons pour les acheter. Boire, quand même. Calme, un petit bonbon. Moi j'ai juste une question, on est confiné depuis un an. Et vous faites une vidéo où vous vous confinez dans une voiture? Ouais, alors, en gros le confinement. Non mais ça a l'air bien. Vous êtes à la moitié là en gros. Ouais, plus, 13h. On fait quoi, on commande? Allez, commandons. Y'a le beurre. Excusez-moi. Ça régale. Dans la vago. C'est bien, c'est bon? Ouais, parfait. Merci bien, bonne soirée. Au revoir. La coulée, mais il aurait fait sa soirée. Bon courage, on vous laisse là. On est loin. Oh non, on a oublié. Vas-y, on leur appelle les. Attends, je dois leur dire un truc. Vous pouvez revenir? Moi? Attends, c'est une surprise ou pas? J'adore les surprises. Vous pouvez vous reposer. Une petite branlette entre potes. Allez, non. Tu peux sortir, toi? Moi, je peux pas sortir là. On fait une campagne. On est enfin arrivé. C'est sorti de Lyon. On est de la campagne. C'est pour. On va dormir dans la voiture. Ça va être compliqué, je pense. Je viens de mettre mon manteau, petit bonnet, petite couverture. Là, il y a Brian. Il est dans le coffre. Je suis trop bien avec mes petites boules là. Ça, c'est confortable. En vrai, tu sais que comme elles sont molles, ouais. Ça me sert de matelas. Ah ouais. Genre, elles s'écrasent sous moi. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Et on se retrouve dans quelques secondes. Ciao. Bon gros. Dans une heure, on a notre séance de sport avec Alex. Ouais, gros. Je suis prêt à pousser de la fonte. Il fait grave froid dehors.
Oh putain, c'est trop bien de tendre ses jambes. Ouais, je vais essayer. Ah gros. Ah les jambes. Tu sais que je te croyais pas. Ah oui, les jambes elles se replient toutes seules. Oui. Bon, du coup, la séance de sport aujourd'hui, on va la faire là-dessus sur le toit de la voiture. La séance, ça va être quoi? On va faire des pompes, des squats, du gainage dynamique. On va faire des séries de 5. On va faire plein de tours. Sachant que la voiture elle est gelée, t'as pas de gants, on va être en chaussettes. Ça va être nickel. 3, 2, 1, go! Il nous regarde trop bizarrement, gros. Bah, du coup, là, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous tripotez les muscles là? Non, 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 regardez parce que il a les bras qui ont gonflé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, les amis, si vous avez aimé la vidéo. À vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Dites-nous dans les commentaires où vous voulez qu'on fasse 24 heures la prochaine fois. Petit rappel, si cette vidéo atteint 5000 j'aime, on fait une grosse, grosse, grosse piscine à balles dans la voiture et on remplit la voiture debout. Ah ouais, trop bien. Énorme. On compte sur vous, l'ami.